Salut à toutes, salut à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes donc sur Matin TV pour la couverture du Salon international de l'agriculture au Maroc. Ça se passe à Meknès et on va parler tout de suite de produits bio avec vous, Zakaria Al-Haddaoui. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez une unité de distribution à Rabat, une boutique, et vous avez donc toute une gamme de produits. C'est lesquels qui se vendent aujourd'hui? Alors effectivement, on a une boutique sur Rabat et donc les produits qui sont le plus demandés, bien sûr, pour les produits certifiés bio, donc on a l'argan, l'huile d'argan, que ce soit cosmétique, alimentaire, il y a l'huile d'olive, il y a aussi le safran, il y a tous les produits en fait alimentaires. Bon, les gens cherchent maintenant à avoir des produits, des épices certifiées aussi bio. Ça s'est développé depuis quand? Alors c'est une tendance maintenant au Maroc, c'est pas tout à fait, ça reste une niche, mais c'est une niche qui se développe avec une évolution assez importante. Et voilà, donc maintenant 3-4 ans que ça se développe très très bien, donc oui. Et donc au niveau de l'origine des produits, j'imagine que l'argan, c'est 80% de la production qui est certifiée bio. Exactement. Donc c'est essentiellement le sousse. Oui, essentiellement le sousse. Alors le sousse pour le produit d'argan, parce qu'il est relativement facilement certifiable, c'est un produit qui n'est pas traité. Alors il y a aussi le nord pour l'huile d'olive. Huile d'olive certifiée au nord. Il y a la région de Meknès aussi pour l'huile d'olive. Et généralement, la majorité c'est au niveau du sousse, mais il y a aussi les autres régions petit à petit. Sur d'autres produits comme l'huile d'olive, on trouve aussi du bio et on trouve des produits qui ne le sont pas. C'est dû à quoi? Comment on peut produire du bio ou au contraire avoir des En fait, cela dépend d'abord de la stratégie du producteur et de sa sensibilité. Donc généralement, pour les produits maraîchers par exemple, ça vient tout au début de l'agriculteur en lui-même, s'il a cette fibre bio. Et par la suite, bon, c'est aussi pour les autres producteurs par rapport à une stratégie de diversification et de valorisation de leurs produits. Alors moi, si j'ai une ferme, je veux produire du bio, comment je dois pratiquer? Ça s'organise comment? Est-ce que tout le monde peut en faire? Bon, pour le faire, il faut être, bien sûr, pour faire du bio, il faut être certifié. Et généralement, on est certifié par un cabinet qui est spécialisé dans la certification. Donc, il y a un processus d'accompagnement qu'on démarre avec le cabinet qui prend 2-3 ans. Et donc, ça commence par des analyses de sol pour voir déjà s'il est contaminé à la base ou pas. Et puis, par un accompagnement de 2-3 ans pour initier justement le producteur à la culture bio, aux techniques du bio, à la biodiversité, etc. Et par rapport à ça, donc obtenir un certificat au bout de 3 ans comme étant un agriculteur qui produit du bio. Alors par rapport au domaine en général, qu'est-ce qu'il faudrait développer dans les prochaines années? La production, la distribution? Alors il y a effectivement les deux. Moi je crois que l'offre, elle a un grand potentiel pour développer la demande aussi. Parce que si on a une offre diversifiée, certainement que la demande va se mobiliser. Mais en même temps, il faut faire, bien sûr, il faut distribuer ces produits, les faire parvenir aux consommateurs. Il n'y a pas encore beaucoup de points qui sont spécialisés dans le bio ici au Maroc. Mais on sent ça reste malheureusement plutôt concentré sur les grandes villes, parce que c'est là où il y a un certain marché. Mais j'espère que ça va se développer dans les années à venir. Zakaria Al-Haddaoui, merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'actualité en temps réel depuis le SIAM, Salon de l'agriculture au Maroc, donc radio, TV et presse écrite sur Matin TV, Matin Première, et puis les publications avec hashtag Direct SIAM sur le net.